Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat François Pagé Ben Khana. J'en ai une doute pas fortune, mais ça fait un clôture, je vous remercie, Shalom, Mishayo, Ben Nida, c'est aussi au CDD, une prochaine étude de Mishayo, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet PA, Perek Bet, Mishnah Zain, Sade, Shek Tsarua, Goim, Tsarua, Listim, Karsemua, Nemalim, Shvarta, Aruach, O Behema, Ptura. Katsa Chetzia, Vekatru Listim Chetzia, Ptura, Shechovat, Apea, Bakama. On a deux Mishnayot maintenant, Mishnah Zayin et Mishnah Chet, la prochaine Mishnah, autour d'un même sujet, à savoir définir précisément à quel moment je deviens imposé de laisser l'Apea, et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer si au moment d'être imposé, j'ai une quelconque raison pour laquelle je suis dispensé. Ça a l'air flou en théorie, mais je vais déjà prendre les premiers exemples. On va lire toute la Mishnah d'un coup avec les deux cas. Après, on reprendra jusqu'à le moment pour faire de l'ordre, parce qu'il y a quelques petits cas qui nécessitent éclaircissement. D'abord, Sadeshek Tsarua Goim, un champ qui a été cueilli par des Goim. Tsarua Listim, ou qui a été cueilli par des voleurs. Car c'est moi Nemalim, ou bien les fourmis s'en sont pris à mon champ et elles ont fait tomber tous les épis, elles les ont rongés à leur source et tous les épis sont tombés. Ou encore même, Shvarta Aruach Obema, le vent a cassé tous les épis, les plantes, ou encore même des animaux qui sont passés, ils ont marché dedans, ils ont tout pétiné, il ne restait plus rien. Dans tous ces cas de figure, eh bien, Ptura, je suis dispensé de la paix. Et je continue aussi le prochain cas, comme ça on va déjà se familiariser avec toute l'idée en général. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Katsal Khetsiya, si j'ai cueilli la moitié du champ, et après ce qui s'est passé, c'est que Vekatsro l'estime Khetsiya, après il y a eu des voleurs qui sont venus, qui ont cueilli l'autre moitié, Ptura, pourquoi? Je suis dispensé. Shechovat Apea Bekama, parce que le devoir de laisser l'Apea, elle est lorsque tu as les épis qui sont encore planté debout. Soit, on va prendre déjà un premier cas de figure. La Torah, elle insiste, elle me dit Uvkut Srechem et Ketsir Avtsechem, l'otechale Patsadechaliktor, lorsque vous cueillerez votre cueillette, de l'accueil de votre champ, Uvkut Srechem et Ketsir Avtsechem, l'iktor, ça veut dire cueillir, l'otechale Patsadechaliktor, tu n'achèveras pas le coin de ton champ en le cueillant, ça veut dire que tu laisseras un coin de ta peur. Donc la Torah insistait que c'est lorsque je viens cueillir que je dois laisser. Qu'est-ce qui se passe si mon champ se retrouve avec tous les épis ou toutes les plantes qui ont été déracinées, mais sans avoir été cueillies par des êtres humains imposables de la terre? Ouais, c'était pas le propriétaire qui a cueilli lui-même. Il y a eu par exemple, comme la Mishnah peut nous dire, on va prendre le cas des voleurs, par exemple des voleurs qui sont venus pour me voler tout mon champ, d'un coup ils ont entendu des bruits, ils ont tout abandonné, ils sont partis. Il s'avère que lorsqu'ils ont cueilli, eux, c'était pas mes envoyés, c'était pas mes émissaires pour cueillir, c'était pas mes employés pour cueillir. Ils ont cueilli ça avec l'intention de le voler. Et puis après, ils ont laissé, mais maintenant il n'y a plus rien à laisser. Au moment d'être imposé de la PA, c'est-à-dire lorsque tu cueilles, tu dois laisser un bout de ton champ, eh bien, il s'avère que c'est quelqu'un d'autre qui a cueilli, de manière à ce qu'elle n'était pas imposable de la PA. Ou bien même les fourmis qui sont venues, qui ont rongé tous les épis, ils ont fait tomber tous les épis, il ne reste plus d'épis plantés. C'est-à-dire que je n'ai pas cueilli, donc si je n'ai pas cueilli, je ne suis pas imposable de PA. D'accord? Le moment de se faire imposer, c'est lorsque tu cueilles, tu arrives à la fin au moment de laisser le coin, tu dois t'arrêter pour laisser le coin, et là ça devient la PA. On le verra plus dans les détails, surtout dans la prochaine Mishnah en fait, le moment exact, mais en tout cas, donc il s'avère que pour le moment, en cas simple, tu n'as rien fait dans ton champ, tout a été fait de soi-même, le vent il a fait tomber tous les épis, il n'y avait plus rien à cueillir, tout a été cueilli, tout est resté planté, tu n'as pas d'occasion de laisser la PA. Je précise une halakha très importante de base. Il faut bien comprendre que si je cueille tout mon champ sans laisser la PA, j'ai quand même le devoir de laisser la PA maintenant, une fois les fruits cueillis. Parce que j'ai un rattrapage. Comme j'ai de la mitzvah sur moi, au moment où je cueillais, j'ai cueilli tout mon champ et j'ai oublié où j'ai volontairement, j'ai pas voulu laisser la PA. La Mishnah on apprendra plus tard que j'aurai le devoir de laisser malgré tout la PA une fois que tout a été cueilli. Parce que lorsque tu cueillais, tu avais une obligation de laisser. T'as cueilli sans accomplir ton devoir, le devoir il va maintenant te coller sur les fruits que t'as cueillis. Mais ça c'est que parce que tu as passé le cap du moment où tu devais laisser la PA lorsque t'es arrivé presque à la fin. Mais si personne n'a cueilli ton champ, c'est pas toi qui as cueilli ton champ, c'est le vent qui a tout cueilli, c'est les fourmis
où c'est les voleurs, et bien il s'avère que tu n'as pas été imposé du tout de péage, tu ne devras même pas laisser une péage quand tu n'as qu'une fois que tout a été cueilli, une fois que tout a été coupé. D'accord? Vous avez compris les deux. Ça, c'est l'idée générale, avec maintenant une précision importante, c'est sur la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai cueilli la moitié de mon champ? Et quand lorsque je cueillais, je me disais, bon, j'arrive à la fin là-bas, je laisserai ma péage, bien sûr. J'ai cueilli la moitié, après la nuit elle est tombée, il y a eu des intempéries, j'ai dû partir. Je reviens le lendemain dans mon champ pour continuer ma cueillette et en vue de laisser ma PA. Il s'avère que quand j'arrive à mon champ, je vois que les fourmis ont achevé le travail à ma place, les voleurs ont achevé le travail à ma place, même principe que la Mishnah. Il s'avère qu'au moment d'être imposable de la PA, c'est-à-dire le moment où je vais accueillir et arriver juste à la fin, c'était le moment de laisser la PA, il s'avère qu'à ce moment-là, ça a été cueilli de manière à ce qu'on était dispensé de laisser la PA. C'est les voleurs qui ont cueilli, c'est les fourmis qui ont cueilli. Dans ce cas-là, tu n'auras pas l'obligation de laisser la paix. C'est ce que la Mishnah est venue m'apprendre, d'accord? Je vous fais ça dans les mots, puis après j'apporte une précision sur le début. Sadechek Tsaroa Goyim. Un champ, d'abord on commence avec la généralité, que c'est tout le champ qui a été mal cueilli, qui n'a pas été cueilli de manière imposable. Sadechek Tsaroa Goyim. Un champ qui a été cueilli par des Goyim. Des Goyim. Tsaroa Listim, ou bien qui a été cueilli par des Listim, des brigands, des voleurs. Car c'est moi, Némalim, les fourmis ont venu et ont tout brisé les épis. Ou encore, les carcels, ça veut dire les carcels, ils ont rasé les pays. D'accord? Chevartaroir, ou bien le vent a cassé tous les épis. Ou BMA, ou bien les animaux, ça peut être les épis, ou ça peut être les olives des arbres, c'est le même principe. Et bien, dans tous ces cas de figure, Ptura, je suis dispensé de laisser la PA parce que j'ai pas eu la mitzvah de Uvkutzrechem lorsque vous cueillerez. Maintenant, nouvelle situation, c'est Katsa Khetsiya. Maintenant, j'ai cueilli la moitié. Pour le moment, je n'étais pas imposable de PA, j'avais juste le devoir que lorsque j'arrive à la fin, je devrais laisser une PA, même face à la première partie que j'ai accueillie. À la fin, je devrais laisser la PA. Mais, et après, ce qui s'est passé, c'est que Katsaroa, l'estime Khetsiya, il y a eu des voleurs qui sont venus, qui ont tout volé, qui ont tout cueilli de la deuxième partie, après, ils ont tout laissé, ils sont partis. Alors, comme on a dit, le moment d'être imposable, c'était avant d'arriver à la fin de la paix, tu avais le devoir de la laisser. Là, ça a été fait de manière à ce que ce n'était pas imposable. Eh bien, ton champ sera dispensé. Pourquoi Shechova ta paix avec ta main? Parce que le devoir de laisser la paix, c'est que lorsque le blé il est planté et que tu le cueilles. Mais s'il a été cueilli passivement, comme on a dit, et qu'après, tu n'as pas eu de trucs de paix, donc tu n'auras pas non plus de trucs de laisser la paix pour plus tard. Précision maintenant très importante, c'est sur le premier cas de la Mishnah. En comparant plutôt les deux cas. On a un cas où j'ai cueilli mon champ par des goyim, et un cas où j'ai cueilli mon champ, où mon champ est accueilli par des voleurs. La question fondamentale est de savoir c'est quoi ces goyim qui ont cueilli le champ. Pourquoi ils ont cueilli, c'est quoi? Si tu les as, parce qu'une chose de sûre, c'est que si tu as payé un employé pour qu'il te cueille ton champ, le commun des commentateurs disent que c'est évident que tu es imposable de payer. Parce que sur ça, on a Yad Poel qui aide la Baït. La main du poël, la main de l'employé, c'est la même main que puisqu'il est payé ou puisqu'il agit pour moi. Il s'avère que maintenant, c'est moi-même qui est en train d'agir. Selon ce principe, donc le champ qui a été cueilli par des goyim, c'est si moi j'ai payé les goyim pour qu'ils viennent cueillir le champ, bien sûr qu'il faudrait laisser la paix. Donc on parle de quoi? On parle de goyim qui sont venus voler pour eux-mêmes. Bonne idée. Le seul problème, c'est que la phrase juste après, c'est que ça voit l'estime qu'il y a eu des voleurs qui sont venus cueillir pour eux-mêmes. C'est quoi le chidouche supplémentaire? Alors du coup, les commentateurs allongent beaucoup. Une des expressions qui a été proposée, c'est, je crois, de la Mishnah Rishona, ça s'appelle un message qui s'appelle la Mishnah Rishona, qui explique que non, on parle que Tsaroua Goyim, c'est qu'en fait on avait des Goyim qui sont venus acheter le droit de cueillir toute ma récolte pour eux-mêmes. Ils sont venus m'en payer, ils m'ont dit, bon, moi je cueille tout. Ils ont tout cueilli pour eux-mêmes. Et puis après, au moment de ramasser toute la récolte, ils ont tout abandonné, ils sont tout partis. Alors là vient la Mishnah, elle me dit, non, eh ben, tu ne seras pas obligé de laisser la PA. Au bout du compte, puisque finalement il s'avère qu'au moment où c'était cueilli, c'était pas vous avez fait. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, cette nuit journée pleine de Slachakol, tout ça.